Ah non, bah merci d'être resté, de ne pas être parti après ma première prestation. Merci à ceux qui sont arrivés entre temps. Donc voilà, bah, je vais faire maintenant la deuxième partie du talk sur SELinux. Plus fort, d'accord. Je vais faire la deuxième partie du talk qui est sur SELinux. Alors pour les gens qui n'ont pas écouté ce matin, bah, je vais repartir sur qui suis. Ça a changé. J'ai pas été viré suite à votre prestation ce matin. Je suis toujours sysadmin chez Red Hat et blablabla. Reportez-vous à la vidéo. On a pas seulement le temps. Et donc, comme en plus je suis feignant comme tout le monde sysadmin, je suis content de reprendre des styles dès qu'il est chargé. Et donc on va vite fait faire un rapide, une courte histoire sur les problématiques de sécurité et globalement comment est-ce que la communauté de recherche s'y est penchée et comment ça a débouché finalement sur SELinux pour éviter que les gens se disent « Oh là là, SELinux, NSA, c'est la catastrophe, je vais vite me cacher dans un bunker ». On va voir qu'il y a eu plus que ça, que si jamais c'est un complot sur une vingtaine d'années, etc. etc. Donc tout a commencé dans les années 70, hein, pour vous remettre un peu dans le bras, penser à des hippies, du H, des fleurs partout, etc. Imaginez Fabien en train de danser sur R ou une quelconque comédie musicale du coin, il le fera sans aucun doute après quelques bières, il l'a promis. C'est censé rester secret ça. Dans les années 70, à l'époque, la recherche était encore financée par le secteur public, ce qui n'est plus forcément exactement le cas maintenant, vu que les chercheurs vont les boîtes comme Microsoft, Google, etc. etc. Mais à l'époque, c'était encore ça, on faisait, je pense, un peu plus de recherche fondamentale, et notamment sur les modèles de sécurité. Alors les modèles de sécurité, c'est prendre globalement le gros merdier que va être une organisation, au hasard l'armée, et puis modéliser ça pour avoir des preuves mathématiques, parce que voilà... on arrive à faire les choses claires, si on arrive à prouver qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y aura pas de problème. Ça marche par exemple pour la programmation, pour tout un tas de trucs, etc. Donc ça a débouché sur les recherches de deux personnes, donc Ben, qui n'a aucun rapport avec Ben et Sébastien, ou avec Ben de la téléphonie, ou ce genre de choses. À ce temps-là, je savais que tu allais commencer avec des blagues pour grave. Ben et l'Apple Leader, et donc eux, ils ont mis au point un modèle qui porte leur nom. C'est un modèle qui garantit la confidentialité des données. L'idée, c'est toutes les données ont un niveau de sécurité et les gens ont également un niveau de sécurité. Globalement, si on s'assure que les personnes de niveau haut ne divulguent jamais ce qu'elles disent à des personnes de niveau bas et que les personnes de niveau bas ne peuvent pas lire ce qu'il y a au niveau haut, la sécurité est garantie. Alors, c'est très simple quand j'explique. Quand on a un papier complet, etc., la question c'est comment faire ça. Et ça, c'est un modèle de confidentialité qui a plus ou moins. Lancer les recherches. Alors, on va y aller dire, c'est bien joué la confidentialité, mais la sécurité, c'est pas que la confidentialité. Je vous remercie de m'avoir fourni cette transition vers le modèle BIBA, qui lui aussi n'a rien à voir avec le magazine. C'est pas vous qui avez choisi, je veux dire, les blagues pourries s'enchaînent par elles-mêmes. Hein. Et ce chercheur-là, ou ce groupe de chercheurs, j'avais pas vraiment eu le temps de fouiller plus, lui, c'est plus basé sur la question de l'intégrité. Pour reprendre encore une fois, par exemple, l'exemple de l'armée, ça va s'assurer que les ordres de. Du truchon de base, le truchon 1, ne remonte pas jusqu'au général. C'est-à-dire que si quelqu'un a un niveau de sécurité bas, ses données ne remontent pas plus haut, mais les données peuvent redescendre. C'est-à-dire le général, lui, peut donner les ordres plus bas jusqu'au truchon. Encore une fois, c'est une grosse simplification. Mais si vous arrivez à montrer que votre hiérarchie a un certain nombre de propriétés, alors vous l'avez modélisé et vous avez obtenu ça. Ça, c'est des recherches pour modéliser ce que font très bien les chercheurs. Ça n'a pas trop donné de choses jusqu'à les années 90. Alors, les années 90, vous pensez, vous remplacez les hippies par les rappeurs. Vous imaginez que le mur de Berlin venait juste de tomber. Et c'est là qu'intervient la création d'un système qu'on appelle Multi-Level Security, également appelé MLS. Je note ça juste ici, mais. Notez ça, ce que les gens reconnaissent dans les films quand on parle de trucs qui sont secrets des forces, top secret, etc., etc., ça correspond à peu près à ça. On notera que ça correspond également au modèle, le premier modèle de tout à l'heure, qui était il y a 20 ans, pour modéliser ça, qui garantit effectivement que, comme on a pu le voir l'été dernier, que les choses top secret restent top secret, ne se retrouvent pas sur Internet, et ce genre de choses, à condition que le modèle soit respecté. Donc c'est tous les systèmes d'accréditation. Les gens qui travaillent peut-être dans des SS2I sont au courant que pour travailler avec le ministère de la Défense, pour être accrédité secret défense, que si par hasard vous arrivez à être accrédité, tout d'un coup les SS2I se mettent à vos pieds. Donc, le conseil, c'est si vous pouvez le faire, c'est réussir à passer votre journée. C'est vrai qu'il n'y a plus de service militaire, désolé, vous pouvez plus bouger comme ça. Alors,
entre temps, comme ces histoires de système d'accréditation, c'est quand même un peu lourd, les gens, les chercheurs ont également commencé à regarder avec un système de catégories. Encore une fois, une fois que je l'ai écouté, c'est très simple. Dans ce modo, on met une catégorie sur un fichier et que les gens de cette catégorie ont le droit d'y accéder. Ou sur un objet quelconque. Par exemple, si on met la catégorie ressources humaines sur un fichier, il n'y a que les gens des ressources humaines qui ont le droit d'y accéder. Si on met la catégorie finance, il n'y a que les gens de la catégorie finance. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est des modélisations extrêmement simples. Mais le premier problème, c'est que ça peut être extrêmement simple. Si vous prenez la plupart des systèmes, vous ne pouvez pas appliquer ça. Alors vous pouvez plus ou moins le faire avec les groupes, mais ça ne marche pas également. Par exemple, on a un système unique, vous voulez me dire ce fichier-là, c'est pour les ressources humaines et pour la finance. C'est pas facile. Vous pouvez le mettre dans un partage où la finance a accès et les ressources humaines, mais ensuite, si vous rajoutez autre chose comme les administrateurs système, vous pouvez avoir un nombre exponentiel de partages, ça va pas. Vous pouvez essayer de bidouiller ça avec les ACL, mais c'était trop récent pour l'époque, etc. etc. Et le deuxième problème qu'il y aurait justement avec les ACL, c'est que l'utilisateur peut modifier les ACL sur ses fichiers. C'est pas forcément ce qu'on veut. Encore une fois, pour reprendre l'exemple de l'armée, on ne veut pas que le troufion puisse dire « Tiens, finalement, j'ai changé ça, et maintenant, c'est visible par tout le monde. » On veut que ce soit défini par la personne correcte. Et on aboutit au troisième acronyme que j'essaye d'expliquer vite fait dans ma courte histoire, très courte, j'ai que 3 minutes, c'est les histoires de DAC et de MAC. Alors DAC, c'est pour Discretionary Access Control, et MAC, c'est pour Mandatory Access Control. Donc pour les noms en anglophone, je ne sais pas comment traduire discretionary. Je pense que ça peut pouvoir se traduire par discrétionnaire, voilà. Et mandatory access control qui se traduit par contrôle d'accès obligatoire. La différence, c'est que discrétionnaire, la personne décide du fichier et des accès. Mandatory, c'est quelqu'un d'autre, en général un administrateur. C'est globalement savoir qui décide de la politique de sécurité. En général, dans les institutions, il y a quelqu'un qui est responsable. Cette personne ne veut pas prendre la responsabilité pour d'autres, donc il ne laisse pas le choix. Alors donc, quand je vais parler d'exemples de Mac, je ne vais pas du tout parler des machines Apple, je ne vais pas parler des hamburgers, je ne vais pas parler des écossais ou quoi que ce soit, que ce soit très clair. Donc le premier exemple que j'ai réussi à trouver sous Linux, c'est effectivement, et ça tombe bien, parce que justement c'est le sujet de la conférence, c'est SE Linux. Donc SE Linux a été proposé par la NSA, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est la NSA, mais dans le doute de la National Security Agency, c'était la base, sur la base des travaux d'un chercheur. Alors je ne sais pas s'il était directement employé par eux ou si c'était un partenariat, parce que c'est un peu comme le ministère de la Défense en France, ils ont de l'argent pour espionner les gens, mais ils ont aussi de l'argent pour faire avancer la recherche, ou pour donner au secteur privé pour faire avancer la recherche. Et grosso modo, ils se sont aperçus que avec les systèmes actuels, si on voulait implémenter les politiques de sécurité qui m'ont été mises au point pendant 20 ans et que j'ai résumé en 30 secondes, fallait les modifier de manière très lourde et que ce n'était pas adapté, et que finalement il n'y avait que les gouvernements qui avaient suffisamment d'argent à dépenser pour ça, et que ce serait bien si le secteur privé pouvait également le faire, par exemple les banques, les hôpitaux, etc. etc. Donc il s'est penché sur le fait de faire quelque chose de modulaire, ce qui a donné SE Linux. Donc l'idée de SE Linux, c'est que vous avez les mécanismes pour mettre en place ces politiques de sécurité merveilleuses dans le noyau, et la politique de sécurité quelque part en user space, qui fait que vous avez tout loisir de pouvoir coder ce que vous voulez, et accessoirement de continuer à pomper de l'argent au gouvernement. Mais c'est une aparté. Ça aboutit à la création des LSM, donc les Linux Security Modules. L'idée, c'est à chaque fois qu'il y a une opération, par exemple ouvrir un fichier, avant, le kernel, il voit un fichier, bon, il l'ouvre. Ça, c'est le bon kernel. Le kernel avec le LSM, il voit qu'il y a un fichier, il regarde s'il y a un LSM, il le passe sur le LSM il dit « ok, ok ». S'il dit ok, ça passe, ça peut passer à d'autres mécanismes. S'il dit pas ok, c'est pas ok, quoi, c'est bloqué. Et ça a été fait parce que globalement, SE Linux a été proposé. Et puis il y a d'autres personnes qui ont dit non, mais ça c'est pas la bonne approche. Les chercheurs en sécurité ont régulièrement tendance à se taper dessus, de se toucher, peut-être que c'est le cas pour les chercheurs. Et ça a été beaucoup trop chiant même pour les standards de la Linux Kernel Mailing List, qui est quand même relativement haut en matière de dispute. Ils ont dit ok, on va vous donner un mécanisme pour que vous puissiez coder tous de votre coin et que le meilleur gagne. Et jusqu'à maintenant, pour l'instant, il n'y a toujours pas vraiment de gagnant. Alors tout ça, ça a permis justement aux gens qui ont trouvé que SE Linux était trop compliqué de faire quelque chose de sensément plus simple.
Armor, qui a été fait par les gens par une société qui s'appelait Immunix, qui a ensuite été récupéré par Novell, qui a en même temps racheté Suse, qui a arrêté ça, et Canonical a repris ça, et actuellement c'est encore utilisé par Ubuntu. Comme ça va être mon attention sur Armor, je vais passer directement au prochain slide. Où ça c'est Tomoyo, alors comme vous pouvez le reconnaître au nom, c'est un chercheur japonais qui l'a mis au point. Je pense que c'est de l'NTT, mais je ne suis pas sûr. Ou pareil, il a utilisé l'LSM pour mettre en place un autre système de politique. Et comme tout à l'heure, ce n'est pas une présentation sur ça, donc je ne vais pas en parler. Et le dernier à être dans le noyau, encore une fois, il y avait beaucoup de gens, c'est Smack. Alors Smack, je pourrais en parler un peu plus, parce que c'est globalement ce qui tourne sur mon téléphone, un Nokia N9. Ou pareil, l'idée, c'est de dire tel process a tel accès, etc., etc., de mettre des policies de sécurité. Il y a globalement zéro documentation. C'est-à-dire, pour les autres, c'est parfait nerdiste que je n'ai pas cherché, mais celui-là, j'avais cherché pour une autre raison, j'ai trouvé un README et le code qui traînait. Donc c'est, on va dire, très confidentiel. Si vous aimez les jeux de piste et que vous avez terminé Myst et Riven avec une main dans le dos et que depuis vous n'avez plus de challenge, vous pouvez essayer de mettre ça en place. C'est sans doute très intéressant. Alors bien entendu, comme c'est une bonne idée, il n'y a pas que sur Linux. Donc, par exemple, vous avez Trusted Solaris, qui propose également ce genre d'extension pour tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne connais pas suffisamment Solaris. Je ne saurais même pas retrouver le mot de passe root de ma machine Solaris, donc je ne peux pas y accéder ou quoi que ce soit. Pareil, les gens se sont dit pourquoi on ne peut pas faire ça pour les BSD. Donc il y a eu Trusted BSD, qui est implémenté dans FreeBSD, qui a été repris par nos amis à la pomme, enfin pas par nos amis à la pomme, par Apple, ce n'est pas nos amis, qui permet par exemple d'isoler les applications sur l'iPhone pour les processeurs d'iPhone, pour s'assurer que le méchant Candy Crush ne va pas aller voler vos gentils MP3 et ce genre de choses, ou vos contacts, ou ce genre de trucs. Et curieusement, et ça m'a particulièrement étonné, même Windows Vista a un système de gestion permission au plus évolué depuis Windows Vista. Alors ils ne l'ont pas appelé Mac, ils l'ont appelé MIC pour mon autorité intégrative contrôle. Je peux comprendre qu'ils voulaient éviter les procès, c'est parfaitement. Windows Vista Mac. Ouais. Donc voilà. Donc globalement, le fonctionnement de la SELINUX. Donc vous avez compris que ça avait un rapport avec la sécurité. Que c'était produit par les chercheurs, donc ceux qui ont déjà travaillé avec les chercheurs doivent sans doute déjà s'attendre au pire. Et ceux qui sont chercheurs, je ne comprends pas de quoi ils parlent, je comprends pas, je suis désolé. Hein. Alors globalement, SE Linux, c'est un peu comme la force. La force est partout, dans SE Linux, les labels sont partout. Hein, on a bien imaginé Yoda qui vous dit ça. Quand je dis partout, c'est vraiment partout. Alors si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est cette lettre, vous la pouvez jeter sur n'importe quelle commande pour afficher des informations, vous allez voir le label SE Linux. Alors là, pour faire un truc de social engineering, je vais mettre une photo de Zoro, mais je n'ai pas trouvé le livre de droit et j'ai pas eu le temps de me déguiser moi-même. Mais imaginez-moi déguisé en Zoro, je vais faire un Z. Et voilà. Donc par exemple, je n'avais pas prévu que ce serait mal aligné, mais si vous tapez ID-Z sur un système avec SE Linux, ça va vous donner ceci. Ceci, c'est votre label, et je vais le détailler sous peu. Ça, c'est frais de ce matin. Hein. C'est pas du tout parce que j'ai pas présenté ma conférence plus tôt. Hein. C'est pour vous donner des informations up-to-date. Donc, ce label-là, c'est votre identifiant. Pour le cas, c'est mon identifiant personnel. Donc, vous commencez déjà par avoir un utilisateur. Vous avez les utilisateurs Unix, vous avez les utilisateurs d'OS Linux, où on peut avoir un mapping de l'un à l'autre. À côté, vous avez le rôle. Alors, par convention, on met _U_R_T, mais si vous voulez vous assurer que personne ne comprenne, ne les mettez pas. Donc, bon, c'est pas cool parce qu'en général, ça va vous retomber dessus après, mais voilà. Alors, vous avez le type. Ça, c'est la partie que vous devez retenir. Le reste, c'est pas grave, mais ça, en général, c'est ce qui va compter la plupart du temps en pratique. Vous avez la sensibilité, donc la sensibilité, là, c'est marqué S0. J'avais pas la place pour mettre autrement, mais en général, c'est effectivement, on revient à ce qu'on appelle top secret, secret, défense, etc., etc. Vous pouvez dire que les gens ont accès de la sensibilité 1 à 255, je crois. C'est un range pour dire, vous avez accès à défense, secret, défense, etc. C'est pas extrêmement utilisé en pratique. Et vous avez les capacités qui implémentent finalement ce qu'on disait tout à l'heure sur le tag ressources humaines, le tag, etc.
Et globalement, bah, la politique, c'est les règles d'interaction entre chacune de ces composantes. Par exemple, vous dites, si le fichier est marqué top secret, alors seuls les gens qui ont top secret ou au-dessus ont le droit d'accéder. Alors pour ça, effectivement, bah, vous avez plusieurs politiques à sub Linux. Si vous allez prendre une Fedora, une CentOS ou quelque chose comme ça, vous allez voir qu'il y en a globalement trois. La politique minimale, qui je ne sais pas ce qu'elle fait. La politique MLS qui va sans doute permettre de ne plus rebooter votre machine. Et la politique targeted qui est celle qui est installée par défaut et qui est celle sur laquelle on va se focaliser. Alors, comme je disais, les catégories des sensibilités, c'est utilisé par exemple pour OpenShift, pour remettre chacun dans sa catégorie, chacun dans sa sensibilité. C'est utilisé par SVIRT, qui permet de séparer les machines virtuelles pour éviter qu'elles puissent interagir les unes avec les autres. Il y a votre machine virtuelle, il y a un exploit qui permet de prendre le contrôle de l'hyperviseur. L'hyperviseur ne peut rien faire normalement, sauf essayer de contourner ce Linux, etc., etc. Et vous avez le cas où vous travaillez pour l'armée américaine et vous avez besoin de mettre ça en place. Et on a effectivement, je pense, des clients chez nous qui l'utilisent, sinon on le développerait pas. Donc, en général, ce qu'on utilise, c'est la politique de type enforcement qui va se baser uniquement sur les types. Donc, vous avez le truc avec le type, ce qui est à gauche, on s'en fout, ce qui est à droite, on s'en fout. On retient juste le type. Et globalement, vous avez les autorisations entre, bah, entre les objets, c'est-à-dire que dire que tel objet de tel type a le droit de faire telle chose sur tel objet de tel type. C'est extrêmement simple, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc par exemple, quelque chose que j'ai tiré de la politique SO Linux qui traîne sur mon disque dur, on autorise un objet de type SSHT à accéder à un fichier de type SSHD KIT et avec les permissions lecture. C'est-à-dire que SSHT a le droit de lire votre clé privée. Ce qui est vachement bien, parce que bah, sans ça, vous serez sans doute bien bloqué. Et l'intérêt, c'est que si vous mettez par défaut, si vous ne donnez pas l'autorisation, il n'y en a pas. C'est-à-dire que quelqu'un, supposons que Firefox tourne de manière confinée par SELinux, ce qui n'est pas le cas par défaut, si quelqu'un utilise un exploit JavaScript, Flash ou quelque chose sans doute Flash, eh ben, il ne va pas pouvoir piquer votre clé SSH, sauf si elle est mal protégée, c'est-à-dire mail à un mauvais endroit ou ce genre de choses. Mais si elle a l'endroit par défaut, elle aura ce type-là, et donc elle ne sera pas lisible. Enfin, ce qui permet bah, de vous protéger. Alors, bah, comme je disais, bah, le but, c'est de limiter les accès des processus. Normalement, c'est fait de telle sorte que par utilisation normale, les accès normaux sont autorisés, et que les accès bah, non prévus ne le sont pas. Donc la question, ici, il se passe quoi en cas de violation? Alors, c'est une question purement théorique parce que j'ai déjà prévu un jeu de mots. Ce qui se passe, c'est ce que globalement les gens appellent un AVC. Alors, ce n'est pas un arrêt masculo-cardiaque. Arrêt vasculaire cérébral. C'est pour access vector cache. Comme je vous ai expliqué, ce qui se passe, c'est qu'on vérifie sans arrêt les accès en regardant, tiens, il y a ce fichier-là, est-ce que j'ai le droit de faire les accès? Et ça, c'est extrêmement lent. Donc, il y a un cache dans le kernel. Et quand il y a. Quand on n'arrive pas à toucher, quand on n'arrive pas à donner les accès, bah, y a une ligne, qui apparaît, donc une ligne pour un denial of access, qui ressemble à ça. Alors c'est intimidant. En fait c'est pourri, je vais plutôt dire ça. Et effectivement on précise que le denial qu'il y a eu, c'est un type AVC. Donc les gens appellent ça un AVC, mais en pratique AVC c'est le nom du cache. Alors là ça semble quand même un peu abscon. Donc on va aussi expliquer ça, on va faire un petit peu de décryptage. Donc le premier truc c'est ça. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est? Exactement. Ouais, parfait. Donc ça, c'est l'heure à laquelle, c'est l'heure et la date exacte à laquelle s'est passée la chose. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment convertir ça en un format lisible? Avec date. Avec date, ouais, bien. Et en utilisant quoi? Avec date. Si vous voulez trouver la bonne syntaxe, c'est ça. C'est date-d, arrobase. Et le nombre. Ça, c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970, la fameuse époque Unix. Et bah, ça vous transfère ça en quelque chose de beaucoup plus lisible, en l'occurrence le mercredi 9 avril à 13h49, c'est-à-dire il y a deux jours. Donc là, vous savez à peu près comment ça, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment. À condition de retenir ça, moi je cherche sans arrêt sur le web. Maintenant, j'arrive à me souvenir de cette partie-là. Je pense que d'ici une dizaine d'années, j'arriverai à me retenir la deuxième partie et pouvoir me considérer spécialiste de l'audit. Donc la deuxième partie qui est intéressante, c'est savoir qui a fait l'audit. En l'occurrence, c'est le PID 1053 pour la commande ADB. Bon, là, ça ne sert pas trop parce que c'était il y a deux jours. Hein. Mais ADB, bah, c'est le débugger Android. Bon. Et la question, bah, c'est il a fait quoi? Alors il a fait quoi? Il a tenté d'utiliser Namebind sur une socket TCP. C'est-à-dire qu'il a tenté
d'écouter sur un port. Et visiblement, par défaut, n'importe qui ne peut pas écouter sur un port avec la politique sur Linux que j'ai. Alors, pour la petite histoire, j'ai repéré assez vite que ça marchait pas, parce que bah, ça marchait pas, je ne me connectais pas sur cette caméra-là. Donc, j'ai pas eu besoin de chercher là-dedans, mais voilà, pour le cas où je suis pas au courant, je récupère le PC. Et enfin, bah, on a le contexte, c'est-à-dire le label du process, contexte source, avec un S comme source, et le contexte target, avec un T comme target, donc la cible, la source. Et on voit que bah, je tournais, ça c'était mon utilisateur, qui tentait d'accéder à un objet qui visiblement était un port non réservé. Alors c'est pas un très bon exemple, parce que là je peux pas vous dire il a tenté d'accéder au port 80, mais les ports bah, sont des objets, en tant qu'objet ils ont des labels, mon utilisateur est un objet, il a un label, la commande est un objet, elle a un label, qui dépend en général de l'utilisateur qui l'a lancé, etc. Et donc, bah, à partir de ça, je peux voir que le débuggeur dans Android, il a juste tenté d'écouter sur un port. Alors j'ai pas beaucoup d'informations, en pratique ce que j'ai fait, bah, c'est que je savais quel était le problème et j'ai désactivé ce qu'il fallait. Donc là, bah, vous avez plusieurs solutions quand vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et que vous soupçonnez que ce soit SE Linux. Pour voir si c'est SE Linux, vous allez voir dans les logs, il y a var log audit, audit.log, et dedans, bah, vous avez les AVC, vous avez d'autres informations. Alors, en général, si vous voyez quelque chose qui correspond à votre commande c'est qu'il y a comme, et que la commande ne marche pas, il y a quand même des chances que ce soit lié. Donc alors, bah, vous avez la première solution. La première, ça consiste à utiliser un peu de CED et à désactiver complètement SE Linux et à rebooter. Alors ça, c'est très mal. Ça fait vous regardez Fabien, il va vous faire les gros yeux, il va vous dire, non, pas bien. Alors, c'est pas bien parce que si vous faites ça, vous désactivez complètement SE Linux. Bon, votre machine n'est pas protégée, mais c'est pas grave. Hein. Vous êtes grand, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. D'ailleurs, le problème, c'est que si vous voulez le réactiver par la suite, comme SE Linux était désactivé, il y a des chances que les fichiers, qui sont des objets, n'aient pas de label, et que ça interrompt, etc., etc., et que bah, ça pose problème. Alors, la deuxième méthode, c'est utiliser setOnForce0, c'est-à-dire que SE Linux est toujours là, et il se contente juste de regarder et d'activer. C'est un peu la différence entre les frontières avant l'Europe et après l'Europe. Après l'Europe, vous avez juste la douanier qui regarde passer avant et contrôler. Là, bah, le douanier ne regarde plus. C'est, si vous voulez voir si c'est un problème SE Linux, vous faites ça sur une machine qui n'est pas une machine de prod. Bon, enfin, vous pouvez le faire sur une machine de prod, hein. Vous êtes grand, majeur, même si vous n'êtes pas majeur, je ne suis pas responsable de vos machines. Et bah, si ça marche, bah, vous pouvez regarder si c'est SE Linux. En général, vous pouvez soit choisir de faire ça parce que bah, le client ne paye pas pour plus cher, soit vous pouvez le faire parce que vous voulez faire les choses bien. Donc ça, bah, c'est mal, mais moins mal. Alors ce que vous pouvez faire, c'est si par exemple c'est un problème sur HTTPD, vous pouvez dire, bon, bah, ok, je ne vais pas désactiver complètement SE Linux, mais je vais juste dire que SE Linux est désactivé juste pour ce type-là. C'est-à-dire, vous allez voir le démon HTTP, vous lui dites, tiens, ça, c'est une carte sortie de prison, tu peux l'utiliser quand tu veux. Et hop là, c'est freestyle, il fait ce qu'il veut. Si jamais il tente de faire quelque chose, ce sera marqué dans les logs, mais c'est pareil. Hein. Bon, ça, j'aurais tendance à dire que c'est presque bien, ça dépend de la raison pour ce que vous faites. Si c'est pour un process à vous, bah ok, c'est normal qu'il n'y ait pas de policier SE Linux, vous pouvez le faire. Si c'est sur un process de la distribution, j'aurais tendance à dire qu'il faut directement corriger le problème. Ce qui consiste à faire bah, corriger le policy. Alors corriger le policy, vous avez soit la méthode compliquée. Enfin non, vous avez la méthode simple qui consiste à utiliser un programme qui s'appelle SE Alert, qui va voir toutes les alertes, et qui va vous conseiller dans un mélange français-anglais, parce que l'interface est traduite et les serveurs ne le sont pas. C'est toujours très surprenant de dire voilà. Tel programme à telle heure a tenté tel accès. Est-ce que vous voulez autoriser, rapporter sur Bugzilla, faire telle modification, puis bah, vous cliquez et ça le fait. Alors en général, bah, moi je vais directement sur la partie Bugzilla parce que j'arrive plus souvent à comprendre. Je suis complètement bilingue pour éviter Bugzilla, à part pour la partie pour les dates. Ou parfois, bah, je vais vous proposer de corriger les labels. Alors bon, l'exemple d'ADB que j'ai sorti de mon chapeau vite fait, c'était pas un très bon exemple parce que ça ne marchait pas. Donc je vais en sortir un deuxième, parce que c'est votre présentation. Donc quelque chose qui arrive très souvent, c'est des gens qui veulent, bah, qui n'ont pas utilisé slash var vvv, pour une raison que je ne comprends pas, qui veulent avoir slash srv mon site web. Très exactement ça. Ça ne marchera pas avec de l'anglais, my site web ou quoi que ce soit. Si vous faites ça, bah, vous allez très vite vous retrouver avec des guignols httpd, avec un message cannot access, etc., etc. Vous allez vous retrouver complètement perdu, vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit, et regardez ben, les labels. Donc, par exemple, si vous êtes dans slash srv mon site web, vous utilisez le Z, un grand Z comme SE Linux, et vous de ça.
Vous allez voir que voilà, il est de type Varté. Et par défaut, Apache, il n'a pas le droit d'accès.